Il n'y a pas à dire, hein, ce collector a vraiment la classe, hein, surtout au niveau de la forme de la boîte qui pour le coup est plutôt originale. Mais bon, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a un clown sur le devant de la boîte, hein, et franchement c'est scandaleux quoi, Konami aurait pu un petit peu plus s'appliquer sur le packaging de son collector, franchement... Qu'est-ce qu'il leur a pris de nous foutre un pecno qui fait complètement tâche sur ce collector à la base magnifique? Ah là là là, je vous jure, hein, ils ont ces idées des fois, hein, franchement. Hein, qu'est-ce que vous venez de me dire là? Ah, c'est le héros du jeu! Ah bah merde! Ok, d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi il est sur le devant de la boîte, n'importe quoi. Ah ouais, je croyais que c'était un clown qu'ils ont foutu là par hasard. Ah bah non, ouais, ça paraît plus logique si c'est le héros du jeu, forcément, qu'il apparaisse sur le packaging de ce collector. Ça paraît logique, ouais, 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 ouais. Ouais, je comprends mieux maintenant, d'accord, ok. Je suis en train de délirer tout seul, c'est n'importe quoi. Ça commence bien cette vidéo, hein. Ça troll dès les premières secondes. Bon allez, essayons de redevenir un petit peu plus sérieux, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et donc, tout le monde, c'est Scolas 82. Alors, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, on se retrouve hein, pour une nouvelle vidéo unboxing qui sera consacrée à la version collector américaine de Metal Gear Rising Revengeance. Voilà, donc je dis bien la version américaine, hein, parce que, il existe bien entendu une version Jap et une version PAL. Alors la version PAL collector, il y en a eu déjà pas mal sur le net, hein, qui en ont fait une vidéo unboxing. Mais bon, moi j'ai pas pris la version collector PAL. Pourquoi me direz-vous? Bah, pour plusieurs raisons. Hein, la première, c'est que déjà Raiden, voilà, ou la tapette, voilà, je préfère l'appeler la tapette, hein, c'est son ce nom lui va mieux. Ça troll encore, je vous préviens tout de suite, cette vidéo ça va être du troll. Mais bon, voilà, il faut bien se lâcher de temps en temps, hein. Vous m'excuserez. Donc oui, Raiden c'est pas un personnage qui est porté dans mon cœur comme c'est le cas de Snake par exemple, de Solid Snake. Et donc voilà, déjà c'est la première chose, le jeu en lui-même, voilà, j'ai vu plusieurs trailers, voilà, quelques vidéos par-ci par-là de gameplay de ce jeu, voilà, mais le fait que ça soit Raiden, ça m'a voilà, un petit peu refroidi, voilà, c'est Metal Gear Solid 2, ça a été une expérience assez douloureuse pour moi, hein, surtout la deuxième partie, hein, je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas à me réconforter sur ce point, enfin bref. Donc voilà, pourquoi j'ai pas pris la version PAL collector? Bah voilà, donc déjà parce que j'aime pas Raiden, bah tu me diras pourquoi t'as pris la version collector américaine, oui. Donc il y a un petit peu de stupidité derrière, hein, je vous l'avoue. Mais surtout parce que je suis un grand fan de la série des Metal Gear. Hein. Donc voilà, c'est vu que je suis un grand fan, hein, voilà, un fan des fois il est un petit peu bébête, hein, il achète, hein, parce que c'est il y a le nom de sa série favorite. Donc voilà, il achète. Donc voilà, ça c'est une des raisons, mais principalement j'aurais pu prendre la version collector PAL, mais c'est surtout parce qu'il y a une figurine à l'intérieur, il y a seulement une figurine, et franchement la figurine me tentait, mais alors pas du tout, hein, vu que je suis pas du tout fan du personnage de Raiden, bah voilà, la figurine est de bonne qualité, hein, j'ai pu le voir sur les différentes vidéos, mais voilà, ça me disait pas d'acheter le collector juste pour avoir la figurine Play Arts, hein, qui plus est, hein, donc c'est une figurine articulée, donc voilà, c'est un petit peu moyen. À la rigueur, en résine, ça aurait peut-être un petit peu mieux passé, mais voilà, en Play Arts, voilà, j'aurais pas pu mettre ça dans ma vitrine de figurines. J'ai aucune figurine de Metal Gear Solid, hein, et j'allais pas commencer à mettre des figurines par une de Raiden, quoi. Faut pas déconner. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai pris la version américaine, qui, ma foi, est plutôt classe. Hein. Elle est originale et il y a plus de contenu par rapport à la version collector PAL. Voilà. Donc on va aller de ce pas ouvrir ce collector. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Hein. Vous voyez quand même, la boîte est quand même immense. Hein, donc je suis obligé de reculer la boîte à une certaine distance pour que vous la voyez bien. Donc vous voyez quand même, elle est quand même plus grande, je trouve, que la... Je sais pas comment elle fait la taille de la... du collector PAL, mais je crois qu'elle est légèrement un peu plus grande. En tout cas, elle est plus, elle est moins large, mais elle est plus haute, voilà. Mais au niveau de l'artwork, mais franchement, c'est magnifique, quoi. Même si on n'aime pas Raiden, voilà. Faut pas le nier, quoi. Quand même, la boîte, elle est quand même magnifique, quoi. Y a rien à dire. Hein. Metal Gear Rising Revengeance, franchement, c'est la classe. Vous voyez, là, son sabre et tout.
Donc voilà, je vous préviens tout de suite, hein, avant de démarrer, pour ceux qui s'intéressent à ce jeu. Alors Metal Gear Rising, ce n'est pas la suite de Metal Gear Solid, hein, c'est pas la série des Metal Gear Solid, donc il y aura pas de Solid Snake à l'intérieur, hein, je vous préviens tout de suite. C'est vraiment un spin-off de la série, et c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Solid, hein, c'est marqué Rising. Et donc c'est un beat'em all, hein. Ce n'est pas un tactical espionnage action, hein, comme c'est le cas pour les MGS. Là c'est un beat'em all pur et dur, hein, où on incarnera exclusivement, je crois, le personnage de Raiden. Voilà. Donc dans ce collector, vous voyez là, tout est... il y a le contenu, hein. Donc on aura en plus écrit en français, hein, car c'est pour ça, une des raisons pour lesquelles j'ai pris la version américaine, parce que voilà, la version américaine dit déjà problème de zonage, mais bon, c'est pas le cas parce que j'ai pris la version PS3. Mais c'est surtout qu'il y a le français, il y a de disponible dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. D'habitude, il y a que l'anglais, hein, dans la plupart des jeux. Mais pour le coup de ce Metal Gear Rising, j'ai pu lire par là que la version FR est présente dans le jeu. Donc ça, c'est excellent, quoi. C'est pour ça que j'ai pris la collector, entre autres. Et faut savoir également que la version 360 est dézonée, parce que par rapport à la PS3, vous savez que la 360 est zonée aux US et au Japon. Mais pour le cas de ce Metal Gear Rising, eh bien vous pouvez prendre la version 360 américaine, elle marchera sur votre 360 PAL. Voilà, donc ça à savoir. Pour la PS3, bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre n'importe quel jeu, mais pour la 360, vous pouvez le prendre. Pour ce jeu, il est dézonné. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris sur PS3, parce que ça c'est pour le côté un petit peu puriste, hein. Metal Gear, je les ai toujours fait sur une console Sony, c'est juste pour le délire, hein, mais j'aurais pu très bien le prendre sur 360, hein. Et en plus de ça, Konami il le fait assez souvent, hein, des versions américaines qui marchent sur nos consoles françaises. C'était le cas pour Castlevania Lords of Shadow, j'avais pris la version collector américaine, et elle marchait, a été compatible sur ma 360 PAL. Donc ça c'est cool, et en plus de ça il y avait le français de disponible dans les menus, donc ça franchement très bon point, hein. ça aurait été bien que ça se généralise sur l'ensemble des jeux, mais malheureusement c'est pas le cas. En tout cas pour ce Metal Gear Rising, hein, que vous prenez la version américaine ou la version PAL, UK ou FR, vous aurez droit au français de disponible. Allez, c'est parti, on va ouvrir quand même ce collecteur pour voir de quoi il retourne à l'intérieur. Donc en plus c'est assez chelou pour l'ouverture, hein. J'ai un petit peu regardé comment l'ouvrir avant pour pas être complètement débile devant la vidéo. Donc là il y a quelques, vous voyez, je sais pas si on le voit là, il y a des, vous voyez ici, security, c'est là, il faut que je coupe ici pour pouvoir ouvrir cette boîte, hein. Donc je l'ai commandé sur Amazon.com, voilà, à chaque fois on va me corriger comment je prononce ça. Bah, c'est un automatisme, hein, je suis désolé, hein, des fois je dis Amazon, des fois je dis Amazon. Voilà, donc je l'ai pris sur Amazon.com, hein, donc c'est le site américain de Amazon. Et donc le prix de ce collector, en tout cas en dollars, il était à 110 dollars. Ah non, pardon, parce que je raconte, je dis des bêtises. 110 euros, ouais, ça faisait 150 dollars à peu près, hors frais de port, hein. Donc moi j'en ai eu au total pour 150 euros pour ce collector, en faisant la conversion et avec les frais de port. Voilà, donc ça fait 50 euros de plus cher que la version collector PAL. Bon, après c'est le contenu qui est à l'intérieur qui m'a surtout décidé à prendre cette version collector américaine. Donc on l'ouvre, attendez, je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, hein, donc je l'ai ouvert comme ça, hein, comme une sorte de livre, hein. C'est plutôt classe, vous voyez, là en plus il y a le jeu ici, Metal Gear Rising, toujours édité par Konami, hein, bien entendu. Bon, là bien sûr c'était écrit en anglais, ah ben là vous voyez c'est écrit en français, hein. Coupez tout ce que vous voulez, comme quoi c'est assez rare, hein, et ça a signalé quand même une version américaine avec du texte en français sur la boîte, quoi, hein. Pas juste dans le jeu, vous avez même sur la boîte, donc ça dit tout de suite que le jeu il y aura le français de disponible, hein. Hop. Donc après j'ai jamais joué au jeu, hein. J'ai pas testé la démo, hein, donc je peux pas vous en dire plus, hein. Mais je sais juste que c'est Platinum Games qui a fait le jeu, et Platinum Games, si vous connaissez un petit peu son CV, il a fait un certain jeu qui est Bayonetta, qui est une bombe en puissance en ce qui concerne le beat'em all, hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est une raison supplémentaire qui m'a motivé à acheter ce jeu, hein, où au départ tout me refroidissait, hein, surtout à cause de cette tapette sur le devant, voilà.
Voilà, mais voilà, c'est pour le côté beat'em all, je sais que ça va être un jeu de très bonne qualité. Alors, on a quoi d'autre à l'intérieur? On a le steelbook, voilà, donc je crois que c'est le même steelbook qui a été offert à Micromania si on achetait le collector là-bas. Voilà, donc voilà, la classe quand même. Il a une sorte de chien, ok, d'accord. Voilà, on peut mettre deux CD, ok. Bon, elle a quand même la classe, hein, cette steelbook, hein. Il n'y a pas à dire. Là, je ne sais même pas ce qu'il y a écrit, hein, pour ceux qui comprennent le kanji, hein, vous me direz, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Ok, donc là, on enlève ça. Qu'est-ce qu'il y a de warning? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Ouais, ça doit être des instructions pour... Ah oui, pour la lampe, ouais, forcément. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce collector, c'est pour la lampe qui est à l'intérieur, quoi. Parce qu'il y a une lampe qui est fournie dans ce collector et qui est unique, hein. On ne l'a pas dans la version PAL où on a juste la figurine. Là, dans la version américaine, hein, qui m'a tenté vraiment à l'acheter, c'est justement cette lampe, hein, qui s'appelle, je crois, là... elle s'appelle comment la lampe plasma à haute fréquence. Voilà, donc je vais essayer de vous la montrer. Hop. Attendez, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le bazar, là. Ouais, donc là, on voit le personnage de Raiden, hein, sur le devant. Metal Gear Rising. Ok. Parfait. Hop. Donc on enlève ça. Ah. Si j'arrive à l'enlever, bien entendu. Ah, il y a également l'OST qui est fourni dans ce collector, hein. Je ne l'ai pas montré, je crois que l'OST doit être dans... Si j'arrive à enlever là. Ça, enfin. Ouais, l'OST doit être dans la galette du... de la... Enfin, dans la boîte du jeu, quoi. À mon avis. Je vous le montrerai après, hein, si j'ai le temps. Hop. Donc, on enlève tout, hein. Il y a un carton. Hein. Oh putain, elle est grosse quand même. C'est pour ça que la boîte est... Et c'est quand même assez lourde, hein, au départ, hein, quand vous la portez, elle n'est pas légère, hein, donc on sent qu'il y a quand même du matos à l'intérieur. Ah ouais, d'accord. Hop, on va enlever tout ça. Voilà, voilà. Ah ouais, d'accord. Ah bah quand même, elle a la classe. Bon, ça, je crois que c'est le sabre de Raiden, et à mon avis, il s'illumine, ce sabre. Et là, on voit, je sais pas si vous allez le voir bien. Metal Gear Rising. Moi, ouais, je n'aurais peut-être pas bien. Ouais, Metal Gear Rising Vengeance. En plus, là, c'est du vert. Hein. Ok. Comment ça s'allume, par contre? Plastique. Ne dis pas que ça a pile, ce truc-là. Ah non, c'est une prise. Ok. Donc, je crois qu'il y a encore un truc à l'intérieur. Hein. Est-ce que j'ai tout pris? Hop, voilà. Hop, ah oui, voilà, il y a le chargeur, ouais, il est là. Bah forcément, c'est une prise américaine, hein, mais j'ai prévu le coup, hein, je me disais bien qu'on allait avoir une prise américaine à l'intérieur, donc j'ai pris un convertisseur pour tester. Hein. Bon, bah désolé, hein, petite coupure, hein, je vous avais prévenu, hein, que cette vidéo serait du grand n'importe nawak, hein, même la caméra en a marre de mes pitreries, hein, c'est dire. Alors, j'étais sur le point de vous brancher cette lampe, hein, lampe à plasma avec l'épée de Raiden. Vraiment la classe, je trouve. Donc, comme quoi c'est du verre, et là il y a une sorte de plastoc qui protège, donc je vais le laisser, hein, histoire de protéger contre la poussière, hein, éventuellement. Donc, je vais essayer de vous la brancher. Donc, vous voyez là, c'est une prise américaine. Donc, je vais la brancher sur un convertisseur, hein, pour pouvoir l'allumer. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, voilà. On va faire ça tout de suite en live. Alors, déjà, on branche ça à l'arrière. Vous voyez, là, il y a une fente. Je sais pas si on va voir quelque chose. Il y a un interrupteur et il y a un trou. Donc, c'est juste en dessous qu'on le branche. Hop, donc ça, je le mets là-dedans. Voilà. Ça... Hop, donc ça je vais le laisser par terre parce que... Voilà, donc franchement quand j'ai vu cette lampe, elle m'a tout de suite interpellé. Hein. Je me suis dit tiens c'est original, hein, c'est la première fois que je vois ça dans un collector. Hein. D'habitude on a soit
une figurine, une statue, un artbook, une OST, voilà, des trucs classiques. Mais une lampe, franchement, c'est la première fois que j'en vois dans un collector, hein, et franchement, je salue au moins l'originalité de ce collector en ce qui concerne cette lampe. Après, vous pouvez me dire ça fait un petit peu cheap ou vraiment gadget. Là, je serais complètement d'accord avec vous. Mais bon, voilà, c'est pour le délire. Hein, ça, je trouve que c'est un objet de collection quand même, cette lampe. Hein, y a pas photo. On va voir ce qu'elle donne, en tout cas, quand on l'allume. Alors. Hop. Voilà, c'est allumé. Enfin, c'est branché plutôt. Alors, on va appuyer sur l'interrupteur pour voir ce que ça donne. Alors, ouais, ça s'allume, c'est magnifique. Donc, on va la mettre du bon côté. Voyez là, oh. Alors, attendez, on va mettre dans le noir parce que là, sinon, vous allez rien voir. Vous allez dire, qu'est-ce que tu fais, Squall ? On voit rien du tout, là, c'est tout est éclairé. Donc je vais mettre ça dans le noir le plus complet, comme ça vous verrez la lampe dans toute sa splendeur. Hop. Ah, même le logo Metal Gear Rising est allumé. Oh, la classe quand même. La classe. Oh, en plus, il y a une sorte d'éclair tout autour de la lame. Un peu comme dans le jeu, je crois que la lame elle est également électrifiée ou un truc comme ça quand on la manie dans le jeu. Donc là, franchement, c'est la classe. Oh, elle est belle, franchement, il n'y a pas à dire, c'est quand même joli. Ça fait gadget, certes, mais ça, c'est un objet de collection, quoi. C'est un objet, il est magnifique, quoi. Franchement, rien à dire. Vous voyez la Metal Gear Rising Revengeance. J'aime bien cet effet, c'est pas juste. Moi, je croyais que ça allait juste s'allumer, mais en fait, non, hein, il y a une sorte d'éclair ou de zigzag un peu dans tous les sens, quoi. Ça, c'est assez original. Et ouais, moi je pensais que ça allait juste s'allumer tout bêtement, mais en fait non, hein, il y a des petits effets quand même bien sympatoches. On va essayer de la voir sous différents angles. Ouais, c'est pareil. Ouais, même quand on la met de l'arrière, on voit aussi, ouais. Ouais, ça va dans tous les sens. Non, c'est... Franchement, elle est belle, hein. Elle est magnifique. En plus, ça fait un bruit, hein. Écoutez un petit peu. Ouais, ça fait on dirait le même bruit que, vous savez, les appareils pour éloigner les moustiques. Ça fait un peu le même style. Donc, ouais, il faut pas mettre ça quand vous allez vous coucher parce que, quand même, c'est un petit peu bruyant, hein. Mais quand même, ça fait, c'est classe. Là, y a rien à dire. Elle est quand même. C'est quand même joli, quoi, à regarder, quoi. Un très bel objet. Allez, on va rallumer quand même, hein. On va pas la contempler pendant des heures. Hop, non. Hop, on rallume. Voilà, je vais l'éteindre parce que je pense qu'elle doit consommer pas mal d'électricité quand même. Voilà. Donc, ouais, bah, c'est sympa quand même, hein. Un bel objet, hein. Franchement. Au départ, il me bottait pas mal, hein, cette lampe, hein, voilà, parce que ça fait quand même un objet de collection assez original. Mais là, quand je l'ai vu quand même en pleine obscurité, comment ça s'illumine, franchement, c'est magnifique, quoi. Franchement, c'est magnifique. Très bel objet de collection, hein. Franchement, c'est dommage qu'on ne l'a pas eu dans la version pâle, hein. Là, il aurait été en rupture de stock très rapidement, je pense. Voilà, donc, ok, alors on a la lampe, on a le steelbook, donc je vais ouvrir vite fait le jeu pour vous montrer, je crois, à l'intérieur, il doit y avoir l'OST, donc chose qu'on n'a pas également dans la version pâle, hein, je trouve ça un petit peu honteux, hein. La version pâle, elle est vraiment très très pauvre, hein, en ce qui concerne le collector en tout cas, hein, je crois qu'ils ont fait un petit peu les rapias Konami pour la version pâle, parce que juste une figurine Play Arts, ouais, c'est très bof bof, hein. Ils auraient pu au moins nous foutre l'OST ou quelques pistes de l'OST et à la rigueur un artbook, hein. C'est ce qu'on est en droit de demander d'un collector, hein, au minimum, c'est un artbook et l'OST. Voilà, donc si on n'a pas au moins ces deux là, là je trouve que c'est pas un bon collector. Après le reste figurine, c'est en plus, même la lampe c'est en plus, mais il faut au moins avoir le minimum, c'est-à-dire l'OST, quoi, l'OST et l'artbook, quoi. C'est pas en plus très cher à produire, hein, faut pas déconner, quoi. Hop. Alors on ouvre ça, voilà. Bon, la boîte, je crois que c'est la même boîte que la version pâle, si je dis pas de bêtises. Metal Gear Rising. Ouais.
Voilà, donc ouais, on va ouvrir ça pour voir comment c'est à l'intérieur. Ouais, donc il y a deux DVD, enfin un CD et un DVD, je pense. Donc ça, c'est le jeu, je crois. Et ça, je crois que c'est l'OST. Ouais, soundtrack. Ouais, voilà. Donc là, on a l'OST. Est-ce que c'est l'OST complète ? Ça, bonne question. Tiens, c'est quoi ce truc ? De la pub. Si vous voulez acheter un t-shirt, une figurine. Ouais, la figurine, c'est celle-là. Sauf qu'elle est en blanc. Voilà, donc on peut l'acheter dans le commerce toute seule, cette figurine. Elle est en noir et en exclusivité pour la version collector PAL, la figurine est en blanc. Et je crois qu'elle est même présente dans la version collector japonaise, la figurine. Par contre, dans la version collector japonaise, on n'a pas la lampe, on a un artbook et on a l'OST. Voilà. Mais j'ai pas pris la version japonaise puisqu'on n'a pas le français. Voilà, tout simplement, sinon je l'aurais bien prise. Ouais, on a des petits gadgets. Hein. Je sais pas ce que c'est, Konami Code. Ok, cool. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Bah, on a la notice. Donc la notice, est-ce qu'elle est un peu plus conséquente que la notice pâle ? Ouais. Bon, déjà, elle est en noir et blanc. Donc la notice de la version pâle est au moins en couleur, même s'il n'y a pas grand-chose comme contenu, mais au moins elle a le mérite d'être en couleur. Là, tout est en noir et blanc. Mais bon, franchement, les notices maintenant... Peu importe, hein, vous voyez, c'est bien Platinum Games, hein, ceux qui ont développé Bayonetta et également Vanquish qui ont fait ce jeu. Mais bien sûr, c'est en collaboration avec la team Kojima, hein, bien sûr. C'est Metal Gear, hein, faut pas déconner. Bon, après, je sais pas si l'OST était complète hein, là-dedans, hein, parce qu'il ne le précise nulle part. Hein. Je verrai. À mon avis... Franchement, ça m'étonnerait qu'elle soit complète. Si elle est complète, tant mieux, mais je pense pas que c'est l'OST complète. Ça doit être quelques pistes. Je verrai bien. Et en plus de ça, vu que j'avais réservé sur Amazon.com le jeu, je l'avais avant sa sortie, eh bien, j'ai eu le droit également à un DLC pour télécharger un costume pour Raiden, une nouvelle armure, hein, une armure en rouge, je crois, un truc comme ça. Donc, je vais voir si elle marche, hein, parce que c'est un code américain. Donc, est-ce que ça a marché sur ma PlayStation 3 française, je ne sais pas, on testera. En tout cas, on me l'a envoyé le code, donc je verrai si je peux avoir ce DLC pour avoir un nouveau costume pour Raiden. Voilà. Donc, un collector, ma foi, cool. Hein. Il y a quand même l'OST, le Steelbook, qui est quand même classe. Et surtout, bah, voilà, quoi, la lampe, hein, gadget certes, mais quand même, elle envoie du lourd, hein, surtout vous avez vu que dans l'obscurité, quand même, elle a quand même la classe, hein, y a pas à dire. Ça fait un beau objet de collection, ça c'est sûr. Donc, mais après, en ce qui concerne le prix, bon, bah, c'est pas donné non plus, hein, c'est quand même 150 €. Ouais, ça coûte 150 $. Si j'habitais aux États-Unis, je l'aurais payé quoi, même pas 110 €. Hein, là, clairement, ça serait intéressant et elle exploserait la version pâle. Mais 150 €, déjà que la version à 100 € chez nous en collector est quand même assez chère, je trouve, pour un contenu quand même relativement pauvre, juste la figurine, et même le steelbook n'est pas offert, le steelbook il est offert chez Micromania uniquement, donc c'est quand même assez moyen, et là on est à 150 € pour une lampe et un steelbook et l'OST. C'est sûr que... Est-ce que je vous conseillerais l'achat de ce collector ? Ma foi, non. À moins que vous soyez un grand, grand fan de la série des Metal Gear et Metal Gear Solid. Là, dans ce cas-là, à la rigueur, oui, prenez-le. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit, c'est que vous prenez la version 360 ou la version PS3 américaine, vous aurez les voix en français. Donc, enfin, les voix. Vous aurez au moins les sous-titres en français. La langue française est disponible dans le jeu, donc ça, c'est cool. Et même la version 360... Et désolé, donc vous pouvez l'utiliser sur votre console PAL. Mais après, c'est pas non plus un achat indispensable, hein. D'autant plus que c'est Raiden, quoi. Faut aimer Raiden déjà. Hein. Moi, je n'aime pas Raiden, j'ai quand même pris la collector, donc vous allez me dire, c'est pas du tout logique. Squall, tu fais un petit peu n'importe quoi, ouais, j'avoue, je fais un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est une question de fan attitude, hein. Voilà, ça ne s'explique pas. Et c'est surtout pour cet objet, quoi. La lampe, j'avais vraiment envie de la voir, je l'ai trouvée vraiment classe et ça a confirmé ce que j'avais lu comme description sur le net. Hein. Elle envoie quand même du lourd, hein. J'avoue. Voilà, donc
Est-ce que je vous le conseille pas, sauf si vous êtes vraiment très fan de la série. En tout cas, je vous conseille pas du tout la version collector qui est sortie chez nous, parce que à moins que vous êtes un grand fan de Raiden et que vous aimez les figurines, ok. Mais sinon, on prend, passez votre chemin. 100€ pour juste une figurine dans un collector, ça fait très bof bof. Hein. Play art, si tu sais. Même si elle est de qualité relativement correcte, c'est pas le tip top. Hein. Donc voilà, j'en profite également pour cette vidéo unboxing pour faire une petite dédicace à tous les fans de Metal Gear et Metal Gear Solid, hein, notamment Yoshi, Devil Snake, Locke, Letko, Street Tester, pardon. Voilà, donc vous êtes tous des grands fans de la série Metal Gear, donc je pense que vous avez acheté cet opus, hein, à mon avis. Et même si c'est pas du Metal Gear Solid, certes, hein, mais je pense que vous trouverez votre compte dans ce jeu. À mon avis, vous avez dû fortement l'adorer. Moi, j'ai pas encore testé, hein. Comme je l'ai dit, j'ai pas encore fait ni la démo, rien du tout. J'ai pas vu trop de vidéos non plus pour pas trop me spoiler. On verra sur le coup quand je me ferai le jeu. Et c'est surtout parce que c'est Platinum Games et vu que c'est un beat'em all fait par ce studio de développement, ça peut être qu'un très bon jeu. Voilà. Donc même pour ceux qui ne sont pas fans de Metal Gear Solid, je vous invite quand même à faire ce Metal Gear Rising, parce que c'est au niveau beat'em all, vous amuserez bien. Voilà, même ça n'a rien à voir avec la série des Metal Gear Solid, hein, ce n'est pas la suite de MGS4 comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un spin-off, rien à voir. Hein. Donc si vous aimez les beat'em all, je vous conseille ce Metal Gear Rising Revengeance, The Tapette, si vous préférez, hein. La Tapette de retour, hein, si vous voulez aimer, prenez-la. Non, plus sérieusement, voilà. Si vous êtes fan de Metal Gear ou Metal Gear Solid et que vous aimez les beat'em all, je vous invite quand même à prendre au moins la version standard, pas la version collector PAL. Et la version américaine, faut vraiment être motivé et être un grand fan de Raiden, que je ne suis pas, donc encore un illogisme, je ne sais pas si ça se dit, non, ça ne doit pas se dire, mais enfin, on s'en fout. voilà, donc si vous aimez les beat'em all, prenez la version standard au moins de ce Metal Gear Rising, je pense que vous trouverez votre compte, vu que c'est Platinum Games qui l'a fait. Après, pour la collector, que ce soit la PAL ou la américaine, franchement, non, passez votre chemin, ça reste quand même cher, surtout l'américaine, 150€, faut les mettre quand même pour ce collector, même s'il y a quand même l'OST et la lampe qui est plutôt classe. Hein. Voilà, quoi, ça reste quand même relativement cher. Donc, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Hein. Donc, je pense que je vous en ferai un test de ce jeu quand j'aurai le temps de le finir comme il faut. Donc d'ici quelques mois, je pense. Avec moi, il ne faut pas être trop pressé non plus. Mais c'est certain, hein, je vous ferai le test de ce jeu, hein, une fois que je l'aurai bien torché. Voilà. Allez, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Donc d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine.